Alors, voici la réponse à ta question, Mélanie, pour créer une sous-entrée dans élève activité. Donc, toi, tu veux qu'il y ait une sous-entrée ici qui s'appelle voyage. Alors, ce qu'il va falloir faire, premièrement, il y a deux places qu'il va falloir interagir. Donc, il faut travailler au niveau de ce menu-là. Mais avant, il faut qu'elle existe la catégorie voyage. Donc, la première chose, c'est d'aller dans le tableau de bord et de créer la catégorie voyage. Alors, les catégories sont dans l'entrée article, catégorie. Et on veut qu'elles soient en dessous de activité. Donc, si je ne me trompe pas, activité, c'était déjà, oui, c'était déjà une catégorie. On veut une sous-catégorie. Alors, elle va s'appeler voyage. Et son parent, c'est ici qu'on va devoir. Ah, mais elle existe déjà, elle est déjà faite. OK, donc tu as été capable de la faire. Excellent. Donc, je ne la ferai pas. C'est bien fait. Donc, activité voyage. Ben oui, je l'avais en face. Alors, je vais tout simplement compléter la partie qui manque, c'est-à-dire qu'elle figure au menu. Alors, on va aller dans Apparence, menu. L'entrée, attends un petit peu, c'est quoi, non? Je pense pas là-dedans. Hein? Oui, c'est un élève, activité. Donc, il faut que ça figure en dessous ici. Alors, je vais tout simplement ici ajouter, c'est une catégorie voyage. Alors, je la trouve dans les catégories. Si elle est pas visible, je vais lui demander d'afficher tout. Puis, tiens, regardons ça, elle est là. Alors, sous-catégorie voyage, ajouter au menu. Elle s'est placée au mauvais endroit, c'est pas grave, je vais la remonter tranquillement, pas vite. Voyage. Est-ce qu'il est rendu bon voyage? Bon voyage, bon voyage, bon voyage. Ici, alors, on continue de monter. Voyage va être en dessous d'activité, ici, comme ça. On n'oublie pas d'enregistrer. L'écran d'enregistrement ne vous le montre pas, mais c'est en bas ici, à gauche, à l'autre gauche, à droite. Enregistrer le menu. Puis, à partir de ce moment-là, quand on va sur le site, élève, catégorie, activité, voyage, il faudra, pour qu'on puisse voir quelque chose ici, que des articles soient écrits et qu'on ait coché voyage, tout simplement.